Bien le bonjour à tous, c'est Ultimate John Doom pour une information comme promise. Et depuis que j'ai annoncé que je vais annoncer beaucoup de nouveautés d'ici le 1er janvier, aujourd'hui même. Avant toute chose, je souhaite entièrement vous souhaiter à tous une bonne année 2022 et que vous avez bien profité de bons moments, dégustés en famille ou entre amis. Et autant dire, je souhaite entièrement que vous passerez de bons moments. Et j'avais raison. Et autant dire, j'espère que 2022 sera pour vous une nouvelle entrée, une nouvelle aventure et aussi de nouveaux projets qui vont apparaître pour chacun d'entre vous, mes chers abonnés. Mais autant dire, j'espère de tout cœur que vous ferez attention à votre santé et que ce virus ne vous atteindra pas. Bref. Comme prévu, je vais vous expliquer les nombreux jeux que j'ai déjà préparés et aussi un événement inattendu que je vous ai promis de vous expliquer ici dans ma chaîne et que ça doit prendre du temps pour vous en parler. Bref. Pour les vidéos que j'ai déjà préparées, je vais vous expliquer que j'ai préparé certains jeux qui est de PS2 et aussi de PS1 et que je vais vous décrire les jeux ordre par ordre que j'ai déjà préparé. Je vais commencer par les jeux PS1. Le premier jeu que j'ai déjà préparé et que ça sera mis dans ma chaîne évidemment, pas toutes mais une seule à la fois. Il s'agit de Agent Armstrong, un des jeux qui est des jeux de tir et des placements 3D, et que c'est ancien et qu'il n'a jamais été aperçu en français, parmi les youtubeurs français évidemment, à part un seul youtubeur que je connais selon mes renseignements, la bible du jeu vidéo, et que j'ai regardé et il y a eu quelques nombreuses vidéos, mais il n'a jamais achevé. Je vais faire dans ma chaîne je vais mettre ce jeu dans la chaîne en fait, parce que en fait j'ai pris l'initiative parce que j'ai déjà achevé plusieurs fois et je tente le coup pour vous montrer mon exemple et ma manière de jouer dans ce jeu. Voilà. Le deuxième jeu que ça m'inspire très très bien et que je l'ai achevé de nombreuses fois. Il s'agit de Chicken Run, un jeu PS1 et que ça a été reproduit du film et que c'est un tout autre histoire. C'est en 3D évidemment de l'ancienne version et que je peux dire c'est une méthode simple, il faut s'évader d'une ferme, voilà, comme le film. Mais autant dire, Chicken Run, c'est avec plaisir que je vais faire ce jeu, de mon inspiration et aussi de ma manière de jouer. Ainsi que d'autres jeux que je vais citer sur PS1. Il y en a un autre qui est très 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 rare et qui n'a jamais été fait en français. Tout comme le jeu Agent Armstrong. Il s'agit de Monkey Heroes que j'ai fait aussi. Et je l'ai fait en même temps parce que ça m'inspire beaucoup de pouvoir faire en français. Car il n'a jamais été aperçu par les autres youtubeurs et que je serai le premier à mettre. Et en même temps, ce jeu représente un peu sur la mythologie japonaise, ou chinoise si on peut dire, de celui du roi des singes qui va battre le roi des cauchemars. Mais je vous dirai davantage quand je mettrai un des jeux sur la chaîne. Pour une autre jeu PS1 que je vais ajouter, il s'agit de Rampage 2 Universal Towers, qui signifie en français Univers des Tours. Un jeu de 2D, qu'il suffit de détruire les tours qui est dans n'importe quelle partie du monde et aussi dans les autres planètes de l'univers. Et que c'est une grande source d'inspiration et aussi que j'adore ce jeu. Et que je vais vous montrer avec plaisir le deuxième parce que le premier, je n'ai jamais joué. Et aussi les autres, après celle-ci.
Je vais faire avec grand plaisir de montrer ma manière de jouer à ce jeu. Tout ça pour la PS1, je vous ai déjà cité. À part que j'ai cité ce que j'ai déjà dit dans la précédente vidéo, il s'agit de Crash Bash, évidemment, que je suis en train de le préparer aussi. Mais il faudra que je vous montre quelques-unes des débuts, car je suis loin d'avoir fini le jeu, car je suis encore loin, en fait. Pour la suite des jeux que je vais vous citer, je sais que j'en ai deux, que j'ai préparé, l'un d'eux qui est en train de se préparer et l'autre qui est déjà presque fini. Il s'agit de Shrek 2 en PS2 et que c'est avec grand plaisir que je vais vous faire ce jeu. Et j'ai ajouté un petit touche personnel une fois simplement et que ça sera que pour Shrek 2. Un des génériques que j'ai oublié de vous en parler depuis le début de la chaîne, de la vidéo, que j'ai ajouté un générique et que ça me fera grand plaisir pour vous faire un essai et de voir si le générique vous plaît beaucoup aux abonnés. Et que pour le jeu Shrek 2, je vous ferai un grand plaisir de vous montrer mon inspiration et mon envie de jouer. Et que c'est un jeu de 3D et aussi de déplacement et aventure, comme dans le film évidemment, mais dans une autre version d'histoire. Et je vous ferai avec grand plaisir de vous montrer ce jeu. Pour la dernière des jeux PS2, et que c'est la deuxième et que je l'ai préparé, il s'agit de Sonic Heroes que je l'ai préparé. Mais je suis loin d'avoir fini parce que en fait je ne suis qu'avec la team Sonic pour le moment, mais les autres teams je n'ai pas encore avancé. Je n'ai même pas commencé évidemment parce que je suis très loin derrière. Pour vous dire en fait, je souhaite énormément que ce jeu Sonic et de la trilogie Sonic continue pour vous tous et que je ferai avec grand plaisir ma manière de jouer malgré que la difficulté de vitesse c'est un peu difficile à contrôler, mais bon. Pour d'autres initiatives de jeux vidéo, je vous tiendrai informé. Et en même temps, je vais passer dans un autre sujet et que ça doit vous expliquer davantage pourquoi j'ai préparé les vidéos. Parce que en fait, je vais me faire une opération de la cloison nasale, la transversale de l'intérieur du nez. Parce que en fait, j'ai une difficulté et un handicap de respirer sur l'aération de la droite. Et que je vais devoir m'absenter sur les enregistrements et les lives vidéo. Et que c'est pour cela que j'ai parlé en premier les préparations des vidéos pour les longues durées des mois. Parce que je ne veux pas parler avec le pansement dans le nez et aussi la guérison et le rétablissement que je vais avoir du mal à vous expliquer. Bref. C'est pour cela que ça me prendra une période entre un mois et deux mois de rétablissement et de guérison. Et c'est pour cela que j'essaierai de revenir le plus rapidement possible si ma voix est toujours la même ou s'il y aura un peu de changement. Mais bref. Mais bon, autant vous dire, faites bien attention à vous et à votre santé et que la passion Ultimate John Doom et jeux vidéo continue à tous. Et encore une fois, meilleurs vœux et bonne année 2022.